Yon l'autre fois, go, bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Mombad Media nan la, depuis Mombad de Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager, intéressé ou pas oublier abonner avec Mombad Media nan. Et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie équipe notification Mombad Media nan la. Bien, nous va pas perdre de temps. N'a pas commencé. Cool, yeah. Et dit, nous gagnons de peut-être de nouveaux centres que nous sommes capables de venir ajouter par rapport que Régissant les relouvri. Qui n'a pas gagné nouveau monde qui est inscrit, qui nous fait répartition sur yo, ça capable arriver gagner de nouveau. Mais pour le moment, tout centre nous t'ai gagné yo kembe. Et actuellement là, on a fait évaluation au niveau sécuritaire que nos partenaires internationaux là qui a ban nous support pour permettre que nous-mêmes mis à part de apport que la police nationale t'ai ban nous permettre que nous identifier centre là. Mais nous avons deux partenaires internationaux qui accompagnent la police nationale, qui ont essayé de réévaluer pour permettre que si vous avez de l'autre suggestion, si vous avez de l'autre recommandation, qu'ils sont capables de faire. Nous, mais pour le moment, nous-mêmes, nous sommes déjà OK avec le centre de vote. Nous avons rencontré le Premier ministre. Là. Bon, de toute façon, c'est une rencontre comme toute l'autre rencontre qu'on a habitué à faire. Parce que depuis nous dans le conseil, là, depuis que le Premier ministre voulait rencontrer nous, il a visité CEP, il a tout nous rencontrer. Nous faisons rencontre comme toute l'autre rencontre et nous-mêmes nous disons clair, nous faisons un bilan de ça nous fait déjà. D'ensemble d'activités que nous réalisons pendant nous arrivons dans le conseil là, nous présentons des défis que nous-mêmes nous faisons face et puis nous disons que nous-mêmes nous poursuivons avec activités que nous-mêmes nous prévoyons. Ça veut dire, ça, le Premier ministre a fait, il n'est pas engagé parce que moi-même je suis ça, moi-même je suis pour me suivre. Comme conseiller électoral qui a un mandat pour faire élection et référendum. Débloquer Haïti, qui est membre force réserve nationale, là, matin, nous rencontrer avec la presse pour nous rappeler ou encore dire à le Premier ministre Ariel Henry que pour véritable mission, c'est rencontrer toute force vive dans le pays pour organiser élection générale, une façon pour nous capables retourner dans l'ordre démocratique. L'en songer, pays n'a pas gagné président, pas gagné parlement, pas gagné même dans la collectivité, c'est des agents intérimaires qui gagnent, pas gagné président dans le pouvoir judiciaire. Là. Et je dis, nous venons dire à M. Ariel Henry pour le démêler le coup, M. Jean-Jacques, pour le rencontrer à tout le monde dans le pays, il n'y a pas tant que gens ça compte fait. Dans le temps, non. Pour nous faire un nouveau bagage, une fois pour toutes, pour nous reconstruire la nation. Pour le marché, rencontrer tout le monde. Pour nous chita, pour nous connaître qui direction n'a pas pays. Et 7 février 2022, pour nous lever le 8 février avec un président élu démocratiquement, côté peuple, pour aller faire choix, un président qui pour mener back pays. Nous voulons dire, M. Ariel Henry, que l'IFE est un premier ministre de fait, il n'a pas gagné droit pour, non pour la prendre, arrêter ou encore pour la révoquer, arrêter que tu es là. Ça l'attend, un président république, la prendre gagner à travers élection pour capable de prendre décision ça. Et nous, à dit, je dis, ce n'est pas le moment côté nous, un groupe. Femme et garçon, mettez tête ensemble. L'un qu'on a joué l'autre récemment là, qu'on a traité de l'autre des dealers de drogue, des assassins, et je dis à ces yo qui a bataille une façon pour mettre moun yo vle sous pouvoir. En vertu de toute tractation, de toute machination, des tissus sociaux qui déchirés, jodia, c'est un moment opportun pour que nous arrivions coup de tissu ça qui déchire. Jodia, nous-mêmes au niveau débloqué Haïti, nous voulons connaître qui est-ce qui est. Par rapport avec société qui déchire, nous devons apprendre un gouvernement inclusif. Yon gouvernement, tout le monde là-dedans, jodia, nous avons un paquet de monde qui mette
dans le gouvernement, mais yo pas jamais paraît. Les oui dire, t'as fait semblant que c'est Petit Dessalines, c'est PHTK, c'est Bouclier, c'est ceci, c'est cela. Je dis, nous même au niveau des blocs Haïti, nous exiger avec le Premier ministre là, qui c'est Ariel Henry, pour le mettre, pour le publier liste parti politique avec tout acteur qui concerné ou bien qui participait activement dans le gouvernement pour le publier pour le peuple qu'on est qui monde qui fait partie du gouvernement pour le pays à capable de sortir dans ma race économique ça dans la crise ça qui a ravagé là. Puis là mon président et comité à Tégonjean, nous avons ensemble de rencontres pour nous être capable de finaliser des dernières versions. Et notamment, nous avons une séance de travail qui était prévue. La dernière séance de travail, nous avons c'était le lundi 5. Après, nous avons une grande rencontre, mais c'était beaucoup plus au niveau gouvernemental et communauté internationale. Et ensuite, événement arrivé, c'est 7. Et puis, toute rencontre que nous avons programmée avec Groupio, nous pas de carrière. Bon, l'atmosphère n'a pas de permettre de faire. Donc, nous sommes censés perdre un mois. Et c'est ça que le Premier ministre là, et rencontré nous pour nous défaire dans l'état de situation et que pour nous capables de joindre en prolongation et pour nous capables de finaliser le travail là. Prolongation sous combien de temps au moins là nous demandons encore et par rapport à niveau nous dans le travail là. Et bon c'est 4 semaines. Mais dans 4 semaines, non, mais comment ne pas le répondre? On a gagné. Et en fait, il était nous à peu près 3 ou 4 séances de travail parce que le travail de rédaction est censé finir. Et l'année finie, nous avons suite fini une semaine cabinet là parce que nous avons ensemble de rencontres dans l'NFR ou sinon des groupes qui étaient voyés dans ben des rapports. Nous avons rencontré pour vérifier les usages que nous faisons de données. Par exemple, j'ai gagné une rencontre avec une structure qui est de gouvernance territoriale qui était voyée par nous, un paquet de données pour être capable de renforcer toute partie de décentralisation. Enfin, nous et surtout, nous avons besoin ouais, avec eux, toutes questions, péréquation, les communes qui en difficulté, comment l'État est capable d'aider, toutes questions de transfert de fonds et de moyens qui est lié à transfert de compétences, tout ça, c'est des questions très techniques, notamment au vu avec eux. Et fondation rencontre avec le ministère de l'économie et finances qui était fait, qui était coordonné toute une équipe de travail et sous tout aspect finance publique. Donc il y a des réformes qui sont déjà engagées et qui sont en cours dans le ministère. Il faut que disposition nous prenne. Nous ne pas à faire que vous faites tout le travail là. Donc nous les articuler, nous d'autant plus que c'est le travail qui était déjà dans le même sens logique que nous la donne. Et faut nous d'avoir rencontré, des sénateurs, nous rencontrer comment on a fait, puisque nous intégrer le Sénat, mais suite à deux rencontres, c'était une rencontre de président Sénat qui fait avec un débat qui était retranscrit, qui débat on pas qui n'ont pas qu'une indication sur façon de capable de reconfigurer le Sénat, mais pour qu'il n'y ait pas le même problème que nous tenions avant, et qu'il n'y ait pas le même problème de doublon que nous tenions avant, même problème de lourdeur au niveau du travail législatif là. Et donc tout ça pour nous résoudre. Et puis il y a un nombre de sénateurs, c'est 2 par département. Donc tout ça nous intégrons nos textes, nous rencontrons président Sénat et cette fois-ci comité A. Qu'on y a pour nous avoir rencontré élargi la discussion pour que nous rejoignions en tête sur une nouvelle configuration. Et il faut que nous rencontrions le Premier ministre et ancien président, puisque ancien président du Premier ministre, puisque en fin de compte, eux-mêmes ont été vifs de l'intérieur, difficultés constitution. Et c'est bien que nous prenions un jour. Donc c'est agenda ça que nous avons pour 3 prochaines semaines. Donc, nous avons fait que le texte, la troisième version, les chimies et semaine qui a venu là. Et puis, à partir de sous base de version ça, nous faisons rencontre avec le groupe spécialisé pour nous capables de finaliser le texte là. Tu as un débat que tu as fait tout sur la question cartel. Est-ce que, parce que l'élection va être faite et pour collectivité territoriale, et pour l'élection législative, l'élection présidentielle, est-ce que nous avons résolu ça avant le projet de nouvelle constitution? Oui, alors, dans la première version, nous avons pris un maire et puis un coordonnateur section communale. Après, dans la rencontre de l'État avec Compact and Group, nous avons vu que ça a été pénalisant pour mesdames, puisque dans l'autre cartel, nous avons gagné
possibilité que t'es une exigence pour que dans chaque cartel gagne en filles. Donc ça a pu augmenter le nombre de filles, mesdames qui en dans cartel. Vous avez pris ça en compte, mais nous devons amender le système cartel là parce que c'est toujours un problème en dans cartel. Et ça qui fait que nous venons rendre nous compte que c'est un problème, c'est parce que soit loi de constitution et vote là les fait pour conseil d'administration. Il n'y a pas voté X, Y, Z. Ce n'est peut-être pas Mounio qu'on est, cela, mais en fait, Mounio voté, ils ont conseil d'administration. Et qu'on a, c'est eux-mêmes qui sont capables, entre eux, de trouver qui s'est commis, sa deuxième, sa troisième. Et c'est là que c'est toujours un problème. Qu'on est à Sanchez, nous, KMB, toujours trois, mais sauf que, après, on met, qui lui-même a choisi deux assesseurs qu'il a élu au même moment. Et puis, il y a un article qui précisait que l'assesseur là pour seconder maire là et qu'il a fait exécuter tâche que maire là est délégué. Ça veut dire après rencontre nous avec le Premier ministre, là, nous comité a arrivé à gagner une prolongation de 4 semaines pour remettre travail, c'est ça? Exactement. Ok. Mais maintenant, c'est pour permettre de l'espace pour la population qui est en compte qui s'arrête d'un document, nous ne pas en charge de ça? Mais ce que ça me dit, c'est que dans 4 semaines, là, en fait, l'été de nous était en gros en 3 grandes séances de 3 heures, à 9 heures temps de travail. Et sous texte là, 9h, 10h. Donc, nous allons laisser faire ça lundi, mardi, mercredi. Et puis, de telle sorte que jeudi, vendredi, c'est relecture qui fait globale. Et puis, nous avons souhaité que dans le week-end qui a fini, ce texte-là est en circulation, que Mounio est en reconnaissance de nouvelles versions. Et puis, c'est sous base version ça que le deuxième semaine, non, nous allons faire ensemble de rencontres, nous sommes annoncés là. Et c'est pour ça que très souvent, on a un conflit entre les deux. Par exemple, il y a reproché ou l'organisation, il y a reproché ou contre le travail sous droit civil politique. Alors, nous sommes liés dans la plateforme à certains moments, il y a dit telle et telle organisation, c'est bien, il y a défense par nous, mais il y a trop de travail sous droit civil politique, c'est comme si droit socio-économique, qui j'en peux défendre. Mais la loi, difficile, pas des outils vraiment pour défendre le droit social, économique et culturel. À part affirmation qui gagne, hein, par exemple dans la Constitution, à part mouvement social qui gagne. Parce que là, on a besoin vraiment de politiques publiques et un gouvernement organisé pour être capable de réaliser. Pour yon nous capable d'aller dans le tribunal, là yon moun mette ou dehors sous yon bien qui pour ou caler dans le tribunal, mais yon fois ou dehors dans la rue ou dormi dans la rue avec petit ouyo, pas qu'un tribunal pour aller. Pas qu'un tribunal pour aller parce que c'est une question d'un droit civil, d'un social et économique, yon gagne une autre dynamique là-dedans. C'est plus que genre société a fait. Qui permettent ou satisfaire ou pas. Il y a une nouvelle génération d'où, donc droit solidarité, etc. Donc, côté, il y a les droits des peuples, donc on y a sans vision plus. Parler dans des jours, ça y est tout, avec toute ingération dans la réalité très haïtienne, question indépendance, souveraineté, donc disposer des richesses propres du pays, etc. Donc, pour l'homme, on n'a pas fait d'appréhension. Donc, génération, d'après moi, ils ont montré, ils ont l'autre philosophie, tout, sur le monde et sur l'État. Donc, ils ont une vision libérale sur le monde. Donc, l'État ne doit pas être trop mêlé, qui le monde en fait. Tandis que, de l'autre côté, l'État, il doit prendre un rôle très actif et notamment pour vraiment l'État gagne des politiques publiques. Pour assurer des mémoires capables de satisfaire droit de voilà, donc ça c'est un petit genre pour tracer un cadre général sur question de droit de l'homme. Quand on a regardé Marc Fabricio, ça c'est le deuxième petit point, hein? Marc Fabricio a dit droit de l'homme est inaliénable, donc ça veut dire pas qu'il y a des liens sur le monde, on n'a rien d'être. Parce que si on marche avec dignité ou avec ça ou bien commun, il y a une unité en droit, il n'y a pas qu'à séparer, il y a indivisible, il n'y a pas qu'à bailler un morceau de droit, donc il faut bailler tout droit. Donc tout ça, tout, mais très souvent, nous déjà ouais, donc première génération a attiré plus l'attention sur la politique,
yo, tandis que deuxième génération, la plus parlée sur éducation, santé, travail, caille, etc., logement, etc. Tandis que troisième génération, il parlait plus sur la paix, l'écologie, etc. Je voudrais illimiter, illuminer, rendre un vibrant hommage au feu, son Monsieur Jovenel Moïse, président de la République d'Haïti, pour sa foi, sa dévotion, conviction, son courage, sa bravoure et son intrépidité dans la lutte acharnée contre la corruption dans ce pays. Je vous demande à l'occasion de vous mettre debout afin d'observer une minute de silence en sa mémoire. Mesdames, Messieurs, il le fait désormais l'ombre d'aucun doute que ces derniers temps, les débats de société relativement à la corruption ont gagné en hauteur et en profondeur dans notre pays. Nous pouvons observer en effet que nos compatriotes haïtiens commencent à se rendre compte, à prendre conscience des effets pervers de la corruption. Cette nouvelle dynamique est susceptible de faire de nos hommes politiques de véritables hommes d'État dont notre pays a besoin. Cette dynamique est également saluée par la communauté internationale, notamment l'Organisation des États américains, qui œuvre en ce sens à travers son programme, son projet de renforcement institutionnel lancé en 2019 pour lutter contre la corruption en Haïti. Ce renouvellement de la posture politique coïncide comme par bénédiction avec une transition générationnelle, le temps d'une nouvelle ère au sein de nos institutions, de nos administrations. La jeunesse haïtienne désormais dit non à une administration publique corrompue dans toutes ses facettes, à un système judiciaire infesté. Cette jeunesse affirme avec courage qu'il n'existe pas d'intouchable dans notre République. Monsieur le représentant du secrétaire général, mesdames, messieurs, à l'heure où notre pays est endeuillé par l'assassinat crapuleux de son président, je souhaite vivement que les vertus véhiculées par notre hymne national que nous venons de contenir inspirent de nous pour que l'aube nouvelle qui nous est promise brille enfin de tout son éclat au grand bonheur des Haïtiens d'ici et d'ailleurs. Et c'est principalement la responsabilité de l'unité de lutte contre la corruption d'inviter les dirigeants, les administrateurs d'État à faire sienne les valeurs d'éthique, d'honnêteté, de transparence et de probité qui sanctifient le service à notre patrie. Valeurs sont également partagées par l'Assemblée générale de l'Organisation des États américains, OEA, en adoptant la résolution 2555 qui encourage la reddition de compte, l'efficience et l'intégrité dans l'exercice de la fonction publique. La signature aujourd'hui qui va suivre de ce protocole d'entente vise entre autres à renforcer les structures d'enquête de l'UNCC par la mise sur pied d'équipes intégrées d'investigation de crimes financiers à travers la participation active des experts de l'OEA, aux côtés notamment du personnel pertinent et qualifié de l'institution. Cet accord favorisera également la formation continue des juges, des parquetiers, des policiers spécialisés et des enquêteurs financiers nationaux et internationaux participant aux enquêtes sur les dossiers de corruption. Les parties à ce présent protocole d'entente, tout en gardant intacte leur indépendance
et leur autonomie établissent ce cadre régulateur relatif au projet renforcement institutionnel dans le cadre de la lutte contre la corruption en Haïti. Mesdames, Messieurs, l'UNCC s'engage sur des terrains abrupts. La lutte contre ce fléau tend à casser de grands intérêts et de grands avantages obtenus dans des conditions obscures. Mais cette structure étatique neutre, dotée d'enquêteurs qualifiés et incorruptibles, assume ses responsabilités avec courage. Inicio mi intervención expresando mis condolencias al pueblo de Haití y a la unidad de lucha contra la corrupción por el asesinato del presidente Jovenel Moïse. Je commencerai mon intervention en exprimant mes condoléances au peuple haïtien et à l'unité de la lutte contre la corruption pour l'assassinat du président Jovenel Moïse. Es un hecho grave que ha significado el ultraje a todas las naciones democráticas que integran la Organización de Estados Americanos y que pretendió debilitar la institucionalidad del país. C'est un fait grave qui a provoqué l'outrage à toute la nation démocratique, à toutes les nations démocratiques qui composent l'Organisation des États américains et qui a voulu affaiblir l'institutionnalisation du pays. Hoy nos hemos reunido para la firma del memorándum de entendimiento entre la Unidad de Lucha contra la Corrupción y la Secretaría General de la OEA, a quien tengo el honor de representar. Nous sommes donc réunis aujourd'hui pour la signature du protocole d'entente entre l'unité de lutte contre la corruption et le secrétariat général de l'OEA, que j'ai l'honneur de représenter. Este memorando servirá de marco para el diálogo interinstitucional y la colaboración entre la Unidad de Lucha contra la Corrupción y la Secretaría General de la OEA en materia anticorrupción. Ce mémorandum servira de cadre au dialogue interinstitutionnel et à la collaboration entre l'unité de lutte contre la corruption et le secrétariat général de l'OEA en matière de lutte contre la corruption. Le mémorandum de entendimiento establece que el proyecto de fortalecimiento institucional para combatir la corrupción en Haití, RILCH, proporcionará capacitación adecuada a jueces, fiscales, comisionados gubernamentales, oficiales de policía y especialistas, investigadores financieros nacionales y todos los miembros de los equipos integrados de investigación de casos de corrupción. Le protocole d'entente stipule que le projet de renforcement institutionnel pour lutter contre la corruption en Haïti, soit le sigle RILCH, fournira une formation adéquate aux juges, procureurs, commissaires gouvernementaux, policiers, spécialistes, enquêteurs financiers nationaux et tous les membres des équipes intégrées d'enquête sur les affaires de corruption. Vous savez, on avait l'OEA et le gouvernement haïtien, presque 3 ans, on a commencé à discuter et négocier ce projet pour la lutte contre la corruption. C'était une des priorités du gouvernement de Jovenel Moïse. Et je crois qu'aujourd'hui, à quelques semaines de son brutal assassinat, on est en train d'honorer la mémoire du président. Ça fait quelque part partie de son legs, ce qu'il voulait laisser à ce pays. Un système anticorruption qui soit viable, fonctionnel. Et c'est pour cela que je suis très honoré aujourd'hui de venir ici et participer à la souscription de ce mémorandum d'entente entre le USCC et l'OEA. Parce que c'est un des plus grands défis que ce pays a finalement. C'est celui de sa corruption. Et comme on l'a toujours dit, vous savez, le lien entre la corruption et la qualité des institutions et la qualité démocratique, et Haïti n'est pas exempt, malheureusement. Mais également, je pense que ce mémorandum va être un de parmi plusieurs, parce que nous faisons partie d'un système anticorruption. L'ULCC
elle participe avec la justice, avec les parquets, avec les autres institutions qui s'affairent à la lutte contre la corruption. Et je m'en réjouis que finalement, après tant de discussions et de débats, on arrive à souscrire ce projet, ou au moins le mémorandum, aujourd'hui. L'union fait la force, parce qu'on a dans le drapeau haïtien et dans l'hymne national. Et je crois qu'il est important, dans ce moment de recueillement profond de la nation haïtienne, à qu'on puisse mettre les têtes ensemble, qu'on puisse mettre les forces ensemble de ce pays pour justement adresser les problèmes qui sont les plus marquants et les plus durs. Et je crois qu'avec la corruption, la lutte contre la corruption, pour plus de probité, plus de transparence, pour renforcer les institutions qui luttent contre la corruption, comme c'est le cas de l'UFCC, je pense que c'est le premier pas important pour une plus grande stabilité, non seulement institutionnelle, mais également, je l'espère, économique et sociale. L'OEA, nous nous engageons dans les dossiers qui sont difficiles. Toujours on fait appel à l'OEA pour les moments difficiles des nations. Et comme vous l'avez très bien dit, monsieur le directeur général, Haïti est un membre fondateur de notre organisation. Et c'est main dans la main que nous y participons à ce projet, qui certes est un projet de longue durée, certes est un projet complexe, certes c'est un sujet difficile, mais nous avons abordé ce chemin ensemble. Ensemble, comme on le fait dans tous les autres pays, et il s'agit de renforcer les capacités qui sont déjà mises en place pour justement adresser la problématique de façon meilleure. Nous assumons cette responsabilité avec un courage énorme et également avec une volonté de pouvoir continuer avec d'autres institutions du système anticorruption ici en Haïti pour justement honorer la mémoire de ceux qui ne sont plus aujourd'hui et qui ont œuvré tant pour ce pays et pour la lutte contre la corruption. Voilà, et merci avec tout le monde qui était branché, écoutez cap tant des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier vous nous abonner avec chaîne là et toujours songer pour activer petite cloche là. Les nous la gon vidéo pour capable joindre nous, son pas besoin de chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons agréable journée tout le monde, une agréable soirée si c'est matin. Bon matinée.